ces actes qui consistaient à relever les plaintes si elles ont existé. Nous savons, mais l'enquête le déterminera, qu'il n'y a eu aucune plainte. Ils vont permettre, non plus par constat d'huissier, mais par des investigations sur place, de faire la démonstration que les commerçants qui sont effectivement visés, pragmatiquement visés, ce sont les épiceries de nuit qui sont tenues par des commerçants de confession musulmane. Je constate que la justice ne me condamne pas aujourd'hui et qu'elle leur donne une enquête complémentaire, ce qui est bien la preuve qu'il n'y a rien dans ce dossier, qu'il y a bien de toute façon des nuisances sonores, une atteinte à la tranquillité publique des habitants.